In the name of the Lord Jesus Christ, let's all rise up to our feet this morning and sing in moments like these. I am weak, but thou art strong.
just keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk. Jesus is my plea, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. We all want a closer walk with him this morning. We have a Thanksgiving here. It says, God bless you, saints. I want to thank the Lord for adding another year to my life. May he guide me through every step of my life and grant me a closer walk with him. Let's have Brother John to open us with a word of prayer and also pray for the offerings and the tithes. Let us pray. Most gracious Father, thank you this morning. Thank you for the day. Thank you for our lives.
Thank you for the grace you've given unto us once again to be counted among the living. It's not like we're rejoicing over those who have gone, but it just shows that you still have a purpose for us. And we thank you for that, O Father. We thank you for our brother who just added a new year. We ask, dear Father, that, Lord, you help him to grow better and deeper in your love, higher in your revelation, O Father. May you establish him, O God. May you make him a pillar in your house, O Father. At the end of this life's race, O God, may he hear, O God, and we all hear that, welcome into my place of rest, my faithful and beloved servant, O Father. May it be our portion. We commit the service this morning unto your ends. We want to see you. We have not come to hear the good words of man. We want to hear from you, O Father. So may you speak to us, O Father. The song service is committed unto your ends, O Father. You told us to worship you in truth and in spirit. And we want to do the same this morning. May you speak to us. May you speak through us through songs. May you heal our souls, heal our body, O God. Heal all that concerns us, even through the song service, O Father. May you anoint our lips and our hands, O Father. We commit the offerings unto your hands. May you bless those who have to give and those who don't have to give at this time. May you provide for them too, O Father. At the end of today's service, I want to return all thanks to you. May it be so, O God. In Jesus' name I pray. Amen. As the offering bags goes, just go ahead and greet your neighbor and welcome them to the house of the Lord this morning as we sing Once My Heart When So Were Fettered. Blessed be
His holy name. He's the great, He's the great emancipator. Oh, that's the song of the redeemed. Oh, I am leaning, I am leaning, safe and safe and secure from all alarms. Leaning, I am leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Oh, we are, yes, are leaning, safe and safe and secure. Sing forever of this saving grace. On the streets of glory, let me live. Cares all pass, home at last, ever to rejoice. Oh, oh, I want to see Him, look upon His face. Oh, there to sing forever of this saving. Streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Now, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, oh I know, I'll see my Savior. If my life is free from sin, heaven's doors will open for me. When the saints go marching in. Sing it, saints, go marching in now. When the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, oh, when the Savior calls, I will answer. When He calls for me, I will hear. When the Savior calls, I will answer. I'll be sung.
home. Oh, I will be somewhere, I'll be somewhere. Listening, I'll be somewhere. Listening, I'll be somewhere. Listening for my name, I'll be somewhere. Listening, I'll be somewhere. Hallelujah, hallelujah, we are going to see. No more crying, no more crying there. We are going to see. No more crying, no more crying there. We are going to see. No more crying. We are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we are going to see. No more dying, no more dying there. We are going to sing. No more, no more, no more dying there. We are going to sing. No more, no more, no more dying there. We are going to see the King. Oh yes, hallelujah, hallelujah. We are going to sing. No more sorrow, no more sorrow there. No more sorrow. We are going to see. No more sorrow, no more sorrow there. We are going to see the King. Oh yes, hallelujah, hallelujah. We are going to see. No more sorrow. Oh, we are going to see. No more sorrow, no more sorrow. Sorrow, no more sorrow there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Amen. Let's sing, Oh My Loving Brother. Service, let's sing Into My Heart, Into My Heart.
in my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come in to my heart, Lord Jesus. So glad I'm yours, Lord. So glad I'm yours. So glad your mercy, man, has followed me. So glad you found me and set me free. I'm so glad, so glad I'm yours, Lord. So glad I'm yours. One more time. So glad I'm yours. So glad I'm yours, Lord. So glad. So glad I'm yours. I'm so glad. So glad your mercy. You happy this morning to be in the house of the Lord? N'êtes-vous pas content ce matin d'être dans la maison du Seigneur? And aren't you happy for him to say you are his child? N'êtes-vous pas content pour qu'il dise que vous êtes son enfant? Amen. Let us have our seat this morning. Nous pouvons nous asseoir ce matin. And I will take this time to say God richly bless you all. Je prendrai ce moment pour dire que Dieu vous bénisse richement vous tous. I greet those at home and those right here and everywhere they are right now watching us. May the Lord richly bless you all. Je salue tous ceux qui sont ici et ceux qui sont à la maison, partout où vous nous regardez, que Dieu vous bénisse richement. It is a pleasure and a
a blessing to be called a son and a daughter of God. C'est un plaisir et une bénédiction d'être appelé fils ou fille du Seigneur. For not wasting too much time, I have a few announcements that I would like to make this morning. Sans perdre de votre temps, j'ai quelques annonces à faire ce matin. And this morning, our dear brother Peter is speaking. Ce matin, notre cher frère Peter va nous parler. And also, let us keep him in prayer this morning that the Lord God will use him, not seeing a man, but rather God using him as a tool this morning to bless his children. Alors, prions pour que Dieu l'utilise ce matin, pas comme un homme, mais comme un outil que Dieu va utiliser pour nous parler. And also the interpreter, but that the Lord will use him also this morning to bless the French, to bless the English. Et aussi l'interprète, que Dieu le bénisse pour qu'il puisse interpréter, pour qu'il bénisse les anglophones. Well, during the week I spoke to Pastor Martins, and he extend his greetings to everyone. He said he's praying for us. Au cours de la semaine, je parlais au pasteur Martin et il vous a salué et il dit que non, il prie pour nous. And also brother Timothy Achon in Accra, a lot of you know him. I spoke to him also, and he also extend his greetings to the church. Et aussi frère Timothy Achon de Accra, beaucoup d'entre vous le connaissez. Il vous a aussi salué. He lost his mom and he need your support. Il a perdu sa maman et il a besoin de votre soutien. See, no matter how the person, no matter how old the person is, you still miss him or her. Qu'importe l'âge de la personne, vous allez toujours le manquer. Amen. Our week Bible reading is Luke. Notre lecture biblique de la semaine, nous commençons le livre de Luc. And also, I was told to remind you about the Young Foundation quizzes. Et on m'a aussi demandé de vous rappeler à propos des interrogations de Young Foundation. If you've not started yet, please try to start. Si vous ne les avez pas encore commencés, essayez de le commencer. And as we always said, parents help children to do this quizzes. Comme nous avons l'habitude de demander aux parents d'aider les enfants avec ces interrogations. Amen. Amen. And I would like to take this time also to appreciate everyone for your prayers for the church and for the leadership and for the ministers and everyone. I really appreciate that. J'aimerais prendre ces moments pour vous apprécier tous pour vos prières, pour l'Église, le leadership, everyone to the church. Tout le monde. Amen. And also, let us keep the social distance as the invisible enemy is kind of like spiking now. It's going up and up. The numbers are going up. If you listen to news, it's not dead, it's still there. So let us keep that social distance and respect the rules. Aussi, nous devons continuer à garder la distanciation sociale, comme cet ennemi invisible, vous ne le voyez pas, mais il est encore là. Vous avez vu et vous avez entendu que le nombre sont en train encore de hausser. Nous devons continuer à garder cette distanciation sociale et garder les gestes barrières. Amen. Also, if we pay attention very well, the event going on right now is very, very dangerous, very serious. And we that claim to receive something special, something higher than everyone, we have no excuse. We are so privileged, we are so blessed to see what the world is not seeing. So let us keep this message as pure as it is. Let us not abandon this message because it is our life. We have no time anymore. Please, let us be serious about this word, this secret that we have received. Et comme vous, ceux qui suivent les
l'actualité, vous savez que non, les événements qui se déroulent présentement sont tellement dangereux. Et nous qui déclarons avoir reçu cette parole, nous savons exactement de quoi il s'agit. Nous ne devons pas continuer à jouer, nous devons être tellement sérieux parce que nous, nous avions compris le secret et nous devons le garder. Playing game is over. Le jeu sont finis. Let us be serious about the word of God. Soyons sérieux à propos de la parole. And like I said, not to take into my time, we will invite Brother Peter to take over this morning and let's give the song that we had this. What's the title of it? So, yeah, so glad I'm yours. So glad I am yours. Let's stand, please. Have you set me free? So. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. May the Lord bless you richly. Amen. Amen. Nous, comme sommes debout, as prenons nos standing, Bibles. Let's take our Bibles. Dans le livre de Jude. In the book of Jude. Jude, c'est le dernier, avant le dernier livre, avant Apocalypse. Jude is the book before Revelation. Nous avons aidé les autres pour qu'ils aillent vite, comme ça quand vous trouvez, nous allons lire. We are going to wait for you when you find it, then we can read. Nous sommes là. Are we there yet? Okay. Jude, il n'a qu'un seul chapitre. Yeah. Verset 3 à 4. Third verse. Okay. Jude 1:3. Nous allons lire la parole de Dieu. We are going to read the word of God. Bien-aimés, comme je le désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Prions. Let's pray. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous voici encore ce matin au devant de ton trône, Dieu. Voilà cet échantillon, Seigneur, de tes épouses. Nous te prions que tu nous parles, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, que tu nous corriges. Nous te prions, Dieu, que tu nous bénisses, ô Dieu.
Voilà ces moments, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons lu ta parole au Seigneur. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Je laisse mon interprète entre tes saintes mains. Moi également entre tes saintes mains, Seigneur. Parle-nous, ô merveilleux Dieu. Seigneur, viens prendre la prééminence, Seigneur. Tout esprit qui ne vient pas de toi, car ça quitte ces lieux, ça aide dans les lieux arides. Seigneur, nous nous rappelons encore de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, que tu as ajouté une année de plus pour ce mois, ô Père de gloire. Nous les abandonnons entre tes saintes mains. Que leur croissance, Seigneur Jésus, spirituelle, soit garantie par toi. Seigneur, nous te le demandons dans le nom précieux de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Are we happy? Amen. Il faut l'exprimer. Now you have to express it. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur la foi. Today God had put in my heart to talk about faith. Amen. Amen. Et j'ai tiré l'inspiration sur la prédication la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Now I had drawn my inspiration from the sermon the faith that was once delivered to the saint. Amen. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. That is where I had drawn my inspiration. Quand nous avions lu dans le livre de Jude, When we read in the book of Jude, il est dit clairement là-bas, it is clearly stated, Jude s'est senti obligé. Jude felt obligated. Amen. Amen. Il s'est senti obligé de faire, enfin d'exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois transmise. Now, Jude felt obligated to contend for the faith that was once delivered. Et cette foi a été transmise à qui? And that faith was delivered to who? Amen. Amen. C'était transmise à toi. It was delivered to you. Était transmise à moi. It was delivered to me. Maintenant, toi qui? Now, who are you? Saint. You, the saint. Amen. Amen. Alors, si tu es saint, now, if you are a saint, cette parole te concerne. Now, this word, it's about you. Si tu n'es pas saint, if you are not a saint, ça ne te concerne pas. This is not about you. C'est comme ça que tu feras beaucoup de bruit. Now, that's why you will make a lot of noise. Parce que ça ne te concerne pas. Because this does not concern. C'est là que la parole a été envoyée pour eux. To those that the word was sent to, ils seront contents. They will be happy. Et ils diront amen aussi. And they would also say amen. 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 Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, c'était quoi? Now this faith that was once delivered, what was it? Amen. Amen. Fabanam dit que même pour parler pour le Saint-Esprit. Now Brother Abraham says even to talk about the Holy Ghost, vous devez le connaître. Now you have to know it. Parce que si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, now, if you don't know the Holy Ghost, comment vous allez savoir que vous l'avez reçu? Now, how would you know that you have received it? Amen. Amen. Nous voulons parler de la foi. We want to talk about faith. Nous devons la connaître. We have to know it. Quand est-ce que j'ai la foi? Now, when do I have faith? Et comment cette foi-là opère aussi? Now, how does that faith operate? Amen. Amen. Ce n'est pas à moi. Now, it is not up to me. C'est au prophète. It is to the prophet. C'est lui qui nous explique. He is the one who is explaining to us. Now he is the one who is going to explain what Jude said. Amen. Amen. Cette foi-là, c'est quoi? What is their faith? C'est Christ. It is Christ. Amen. Amen. Cette foi-là, c'est Jésus-Christ. That faith is Jesus Christ. C'est ce que nous allons parler. That's what we are going nous avons prié le jeudi. We prayed the last Thursday. Je crois fermement dans mon cœur. I believe very strongly in my heart. Dieu va répondre. That God is going to answer. Il a déjà commencé à répondre. He has already started answering. Il a déjà répondu. He already answered. Parce qu'il a la parole d'infaillibilité. Because he has the infallible word. Et aujourd'hui, il veut nous parler de la foi. Now, today he wants to talk to us about faith. Amen. Amen. Cette foi-là, that faith, c'est de reconnaître, it is to recognize, accepter,
to accept la personne de Jésus-Christ. The person of Jesus Christ. Amen. Amen. Et les moyens que Dieu a pourvu. Now, the way that God had provided pour accepter, to accept, pour reconnaître, to recognize, ces moyens-là, c'est par les prophètes. And that way is through the prophet. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui connaît. Because he is the one who c'est knows. Lui qui connaît qui est ce Jésus-là. Because he's the one who knows who is that Jesus. Comment l'adorer. How to worship him. Comment le prier. How to pray to him. C'est lui qui connaît. He is the one who knows. Amen. Amen. Si une autre personne, if anybody else, vient vous parler de ce Jésus-là, comes and talk to you about that Jesus, vous serez dans la confusion. You will be in confusion. Cette personne-là est en train seulement de présumer. That person is just pretending. Amen. Amen. Mais nous avons la foi. But we have the faith. Et l'assurance. And the assurance, selon Amos 3, according to Amos 3, que Dieu parle au travers des prophètes. That God speaks through prophets. Ses secrets. His secret. Nous les connaissons. His secret, we know par them, ces prophètes là. Through his prophet. Et dans cet âge, and in this age, Dieu a envoyé un prophète. God sent a prophet. C'est William Aaron Branham. It is William Branham. Les gens se posent la question. Now people wonder. Mais son nom n'est pas dans la Bible. But his name is not in the Bible. Oui. Yes. Le nom n'est pas dans la Bible. The name is not in the Bible. Mais il faut avoir les yeux spirituels. But you have to have spiritual eyes to understand. Amen. Amen. Prenons Jean Baptiste. John the Baptist. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. C'est là où la promesse a été lancée. That is where the promise was given. Son nom n'est pas dans l'Ancien Testament. No, his name is not in the Old Testament. Amen. Amen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? But what is of our interest? C'est l'identification. It is the identification. Amen. Quand un prophète vient, when a prophet comes, on voit ce prophète-là. We look at the prophet. Nous l'identifions dans la parole. We identify him according to the word. Amen. Amen. Jean-Baptiste. John the Baptist. On l'avait prophétisé. There was a prophecy about him. C'est lui qui devrait crier. He was the one. C'est lui qui devrait présenter Christ. He is the one who had to introduce Christ. Mais son Christ. Nom n'était pas dans l'Ancien Testament. But his name was not in the Old Testament. Amen. Maintenant dans le Nouveau Testament. Now in the New Testament. Il s'identifie à la parole d'Ésaïe. Now he is identified according to the word of Isaiah. Amen. Amen. C'est ça notre, c'est ça ce que nous sommes. And this is what we are. Nous identifions ces éléments. We just identify alors ourselves. Nous prenons la vie de Branham. We take the life of Branham. Nous identifions ça avec Malachi 4. Now we identify that according croyons. To Malachi 4. That's why we believe. Nous allons pas à gauche, nous allons pas à droite. We are not going to go to left or right. Parce que nous l'avions identifié. Because we had identified him. Amen. Amen. Mon frère, tu balances la brochure la foi qui a été transmise une fois no, brother, au sein de 1953. The faith that was once delivered to the saint in of 1953. Yeah. Mais notre inspiration c'est 55 dans 55 mais balance 53. Dans. However, our inspiration will be from the 55, but just so you understand. Amen. Amen. Paragraphe 77 pour les Camerounais, les autres. 77. Pour les Français c'est 70. Pour les Congolais c'est 77. For Congolese is 77. There's a different way of saying that. Nous avions prié. We had prayed. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Now, what do we have to do? Nous devons nous accrocher. We have to cling. Amen. Amen. À ce que nous avions demandé à notre Dieu. To whatever we had asked to our God. Qu'il y ait des gens. Maybe people. Qu'il y ait des voix. Whether there are qu'il y ait d'autres personnes qui vont parler. Or other people who are going to mais speak. Mais nous. But we, nous allons nous accrocher. We are going to à ce que lui a dit. Onto what he said. À ce que nous avons demandé. To what we had nous asked. Allons nous accrocher là-bas. We are going to cling on 77 to dit ceci. 77, he said this. J'ai la parole. La parole de dit que Dieu vous bénisse. C'est vrai, attendez. Dieu vous a-t-il déjà confirmé? Avez-vous des miracles et des prodiges dans votre église? C'est là que Dieu vit toujours. Vous voyez des miracles et des prodiges parce qu'il est Dieu. Il est un créateur et son peuple croit en lui de cette manière-là. Dieu a créé cette terre sur laquelle vous êtes assis cet après-midi. La seule chose qu'il a faite, c'est de dire que ceci soit et cette terre sur laquelle vous êtes assis est la parole de Dieu matérialisée. Ok, c'est un peu différent. Dans... It's not 77.
Oh, c'est combien là-bas? Ok, d'accord. Tu peux seulement. Ok. Gagnons le temps pour ne pas créer. Ok. Ce que je disais était celui-ci. What I was saying was this. Nous devons nous accrocher à ce qui est positif. We have to cling on to what is positive. Nous avions prié. We have prayed. Nous devons maintenant nous accrocher. We need to cling on to what. Le paragraphe c'est différent avec l'anglais. Now it looks like the paragraphs are different in English. Mais ce que je veux vous dire c'est ceci. But what I wanted to say is peu this. Peu importe ce que disent tous les enseignants. No matter what the teachers are saying, et les docteurs, or the doctors, et je ne sais quoi, or whatever, whoever, que I don't know, disent ceci, even if the word says this, et c'est là, or that, ils croient que c'est la vérité, and they believe that's the truth, parce que Dieu l'a dit. Because God has comment said it. Cela va-t-il se passer? How is that going to happen? Moi, je ne sais pas. I don't know. Amen. Amen. Vous avez prié. You had prayed. Comment cela va se passer? How is that going to happen? Tu ne sais pas. You don't know. Ce qu'on vous demande, c'est quoi? All that they're asking, c'est de vous accrocher seulement. Is to just cling on to it. Et vous accrocher comment? How do you do that? C'est par la foi. It is by faith. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on nous demande. That is what they are asking. De vous accrocher seulement. That we just cling. Parce que tu ne sais pas comment ça va se réaliser. Because nobody knows ça how it will happen. Ça serait pas ton problème. It is not even your ton problem. Ton problème c'est quoi? Your problem is tu what? Tu as demandé. You had et asked. Et tu t'arrêtes là. And then you stop tu there. Tu mets la foi. And then you put quel your faith quel que soit le there. Temps que ça va faire. No matter how long ça, it will take. Ça ce n'est pas ton problème. That is not your problem. Parce que le diable viendra pour te dire que you, mais tu avais prié but you had mais ce n'est pas réalisé. But it didn't ça, happen. Ce n'est pas ton problème. That is not ça your peut problem. Prendre le temps que ça pourra prendre. It may take as long mais as it un will jour, take. But one day, en son temps, in his own time, lui-même répondra. He himself will answer. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jude avait dit ça? Why did Jude say that? Pourquoi Jude a parlé de la foi qui a été transmise une fois pour toutes? Why did Jude talk about that faith that was once delivered? Amen. Amen. Nous devons savoir le pourquoi. We need to know why. Et Frère Branham dit, and Brother Branham says, dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, on ne les appelait pas les saints. They were not calling them saints. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas appelés les saints. In the Old Testament, they were not called saints. C'est dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à appeler les saints. Now, it is in the New Testament that they started calling them saints. Et ça a commencé à partir de Jésus-Christ. And then it started with Jesus Christ. Amen. Amen. Maintenant, qui a introduit Jésus-Christ? But who introduced Jesus Christ? C'était Jean le Baptiste. It was John the Baptist. C'est lui qui l'a introduit. He is the one who introduced. Par rapport à quoi? According to par what? Rapport à la promesse que Esaïe avait déclaré. Based on a promise that Isaiah had declared. Amen. Amen. C'est ce que nous allons parler. And that's what we are going to talk about. Il dit ceci. He says this. Les enfants d'Israël. Children of Israel. Au lieu de rester fidèles. Instead of. À ce que Dieu avait fait. Instead of staying faithful to what God had done. Parce que Dieu avait opéré des miracles. Because God had done miracles. Au lieu de rester fidèle à ces miracles-là. Instead of staying faithful to that. Peu de temps seulement quand ils étaient dans le désert. It took just a little while when they were in the ils desert. Ils ont oublié. They forgot. Ils ont commencé à murmurer. They started to murmur. Au lieu de se rappeler. Instead of remembering. De ce que Dieu avait fait. What God had done. Amen. Amen. Mais nous. But us, ne murmurons pas. We are not going to murmur. Restons fidèles. We are going to stay faithful à cette foi-là to that faith qui nous a été une fois donnée. That was once delivered to Amen. Us. Maintenant, dans la prédication, now in the sermon, la foi qui a été transmise de 1955, the same sermon of 1955, paragraphe 19. Now paragraph 19. C'est là où Frère Branham parle. Now that's where Brother Branham is speaking. Ok, c'est bon. Je prends la partie. Là, c'est bien, mais je prends la partie qui. Je vais mettre, faire un commentaire là-dessus. Yeah, I will take the portion toward the bottom and then I will comment on that. Vous pouvez lire la totalité. Moi, je vais prendre seulement une partie. We can read the whole. Tu peux lire. But the blessings of the Lord to come upon the church, and they went forth those apostles and those great powers, that they exercised a great revival. It wouldn't look possible that that would ever cease. Neither did we think one day when Moses crossed the Red Sea with the children of Israel, God raining manna down out of heaven, would it ever be possible that they would forget those great miracles? Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont oublié tout cela et se sont mis à murmurer contre Dieu.
They forgot all of that and started to murmur. Voyez comment le peuple oublie vite la première chose. Now, do you see how people forget really quick? That's the first thing. Amen. Dieu te fait quelque chose. God does something to you. Il t'a donné la vie. He gave you life. Une bonne vie. A good life. Peu de temps seulement. Just in a short time. Tu oublies. You forget. C'est pourquoi that is why nous devons combattre we have to contend pour cette foi-là for that faith qui nous a été donnée. That was once delivered to aujourd'hui, us. Today, la même chose se passe the same thing is happening dans nos mariages. In our marriages. Je ne prêche pas sur le mariage. I'm not preaching about marriage. J'étais conduit à parler un petit peu sur le mariage. But I was just led to speak a little bit about marriage. Amen. Amen. Aujourd'hui, la même chose se passe. Today, the same thing is happening. Nous avions oublié. We had forgotten. La première chose. The first thing. Avant le mariage. Before the marriage. Nous avons prié. We prayed. Avant le mariage. Before the marriage. On cherchait partout. We were looking everywhere. Il y a des gens qui vont même dans des conventions. There are even people they're going to conventions. Il y a une réunion quelque part. There's a meeting somewhere. Vous croyez qu'ils sont venus pour la réunion. You think they came mais for ils the sont meeting, là pour chercher les sœurs. But they came to look for sisters. Il y a aussi des sœurs. There are also sisters. Qui y vont aussi. They also go there. Ce n'est pas mauvais. It is not bad. Si Dieu t'envoie là-bas, vas-y. If God had led you there, go. Amen. Amen. Il faut dire, oh, frère Peter, tu avais dit que non, non, je n'ai pas dit ce n'est pas mauvais. Oh, brother Peter, you said this. I did not say it's bad. Okay. Amen. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? But what I'm trying to tell you is this. Les gens oublient facilement la première chose. People have a tendency to forget easily the first thing. Toutes les démarches là. All of those steps. Ce qui est ici, tu payes le billet d'avion, tu pars ailleurs, tu vas. Tout ça, les gens oublient facilement. You leave here, you buy a plane ticket, you go somewhere else, but all of that, people tend to forget that. Pourquoi vous oubliez? What do you forget? C'est l'amnésie. It is amnesia. Amen. Amen. L'amnésie, c'est quoi? What is amnesia? Tu oublies ta position. You forget your position. Tu oublies ce que tu es. You forget who you are. Tu as oublié que tu avais prié. You forget that you had prayed. Nous sommes des médecins maintenant. Now we are physicians. Yeah. Quand quelqu'un se méconduit, diagnostic, l'amnésie. When somebody does something wrong, we do the diagnosis and we say that's amnesia. Parce qu'il a oublié sa position. Because that person had forgotten his position. Nous allons lire une chose ici. We are going to read something here. Pour attirer seulement l'attention de ceux-là qui veulent se marier. Just to draw the attention of those who want to get married. Et ceux-là qui sont déjà mariés. And those who are already married. Parce que des fois nous oublions. Because sometimes we forget. La première chose. The first thing. Comme les enfants d'Israël. Ils avaient oublié la première chose. They forgot the first thing. Amen. Amen. Dans la cérémonie de mariage. In the marriage ceremony. Prêché le 1er décembre 1963. December 1st, 1963. Ok, pour gagner le temps. On va dire ceci. We're going to just... Frère Branham présente les deux personnes. Brother Branham is presenting the two people. Ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans une union sacrée. Those two people had came here to be united in a holy matrimony. Union sacrée, élément, premier élément. Holy matrimony, that's the first element. Amen. Amen. Vous venez pour que vous soyez présenté à une union sacrée. Now, you come so that you can be presented in a holy matrimony. Donc, votre mariage commence comme une union sacrée. Now, your marriage starts as a holy matrimony. Quelque chose qui est sacré. Something that is sacred. Ça dit, il n'y a pas l'impureté qui entre. That means there's no filthiness that Amen. Enters. Écoutez maintenant, nous Now, descendons. Listen, we are going Il dit to go ceci. Down. Mais croyant, bien entendu, que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre. Now, parce que vous voulez prendre maintenant un engagement solennel. Now you want to. There's no paragraph in Il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de paragraphe. OK. OK. Now, I found it. Hmm. Tu peux projeter là-bas aussi. Ok. On peut se mal pour gagner le temps. Ok. Ok. Il dit ceci. Et que vous êtes préparé à entrer sur la même base. Now, you are prepared to enter it
on the same basis. Avec révérence. With reverence. Okay? Vous entrez dans le mariage avec révérence. Yeah. Avec prudence. With discreetly. Et puis modestie. And soberly. Mm-hmm. Modesty. Et dans la crainte de Dieu. And in the fear of God. Okay? Mm-hmm. Vous entrez avec la crainte de Dieu. And you get in with the fear of God. Maintenant aujourd'hui. Now today. Cette crainte là. That fear. Est encore là? Is it still there? Cette crainte de Dieu là. That fear. Parce qu'il dit God. Que vous entrez avec la crainte de Dieu. Because it says you enter in with the fear of God. Est-ce que cette crainte est encore là? Is that fear still there? Nous allons arriver là où Frère Branham me dit aussi. We will get to a place where Brother Branham says la foi also, qui a été une fois transmise. Now the faith that was once delivered. C'est une révélation directe. It is a direct revelation. Amen. Amen. C'est une révélation directe. It is a direct revelation. Quand vous avez prié. Now when you had prayed. Vous avez eu la révélation directe. You had a direct revelation. De qui sera votre épouse? The who will be your Amen. Wife. Amen. Parce que la révélation c'est individuel. Because revelation is individual. Personne n'était là. Nobody was there. Toi-même. You yourself. Tu dis que ça c'est ma femme. You say this is Je my vais wife. La marier. This one I want to marry. Amen. Amen. Maintenant le prophète vient seulement vous poser des questions. Now the prophet just comes and asks you questions. Écoutez ce qu'il vous pose. Now watch what he's asking. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime? Do you accept this woman as your legal or lawful wife? Amen. Il vous pose cette question. Pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage. To live with her in this holy matrimony. Amen. Aujourd'hui, est-ce que ce mariage-là est encore sacré? Now, is that marriage still sacred? Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Est-ce que tu peux dire can you, que mon mariage est encore sacré? Can you say that my marriage is still sacred? Le premier jour, the first day, quand vous posez les questions, when they asked you that question, it was good. Mais aujourd'hui, but today, tu as déjà oublié. You had already forgotten. Qu'on t'avait posé cette question. That they had asked you this question. C'est vrai. It is dans d'autres places, on ne pose pas ces questions comme ça. Ils vont dans leur tête. Ils font ce qui vient dans leur tête. In some places, they don't ask those questions. They just speak out of the mind. Mais ici, but here, on vous pose ces questions. We ask you those questions. Amen. Amen. Pour que demain vous ne puissiez pas changer. So that tomorrow you won't change. Ça vous lit. We will read. On ne croit pas au divorce. Ça vous lit. We don't believe in divorce. Nous évoluons. We move on. Promettez-vous de l'aimer? Do you promise to love? Tu as promis. You promised. Je l'aime. I love. Je l'aimerai. Him or her. Est-ce qu'aujourd'hui? But do you? Tu peux répéter encore ici? Can you repeat today? Ou tu as déjà oublié? Or you have forgotten? Comme les enfants d'Israël avaient oublié. As the children of Israel had forgotten. Allons-y. Let's move on. Il dit de l'honorer et de la chérir. To honor her or cherish her. Est-ce que tu honores ta femme? Do you honor your wife? Est-ce que tu la chéris? Do you cherish her? Tu as déjà oublié. You already forgotten. Et de l'assister dans la maladie ou la santé. And support in sickness or health. Dans la richesse ou la pauvreté. In riches or poverty. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Now listen. Et d'abandonner toutes les autres. And will forsake all others. Ah. Ah. Abandonner toutes les autres. Forsake all others. Écoutez. Now listen. Aussi longtemps que vous serez tous des en vie. As long as you both live. La polygamie. Polygamie. Amen. Amen. Ça c'est la foi aussi. This is faith too. C'est la foi. It is faith. C'est la révélation. It is revelation. Nous arrivons. We'll get there. Maintenant il pose à la femme. Now he asks the woman. Acceptez-vous comme votre époux légitime? Will you have this man to be your lawful pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? To live together in this holy state of matrimony. Promettez-vous de l'aimer? Do you promise to love? De l'honorer? Honor? De le chérir? And cherish? De l'assister dans la maladie ou la bonne santé? And support in sickness or health? Tout ce que le prophète a posé au mari, il pose aussi à l'épouse. Everything that the prophet had asked to the woman, he's also asking the man. Mais regardez ce que je vais tirer votre attention. Now ici. Watch what I want to draw your attention to. Il dit to. Ceci. He said this.
Promettez-vous de l'aimer. Do you promise to love her? Est-ce que les enfants sont là? Are the children here? Est-ce que les enfants sont là dans ce que promettez-vous de l'aimer? Est-ce que les enfants sont là présents? In this promise, when they say, do you promise to love her, are the kids here yet? Amen. Amen. Les enfants ne sont pas encore là. The kids are not here yet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Now, what happens? Quand les enfants sont là, when kids are here, tu oublies les maris. You forget the husband. Tu t'attaches aux enfants. You just attach yourself to the vice kids. Versa. And that's vice le versa. Papa vient au travail, the father comes les from enfants. Work, it's il just the kids. Femme. Forget the children, la femme the wife. Oublie le papa, c'est les enfants. Now the wife also forget the husband. Mais quand vous avez commencé, but when you started, les enfants n'étaient pas là. The kids were not there. Amen. Amen. Aimez-vous. Love each other. Comme vous aviez dit. Like you promised. Je vais l'aimer. I will love les him. Enfants c'est le fruit. Now kids are de the votre union. Of your union. Amen. Amen. C'est le fruit. It is, they are the fruits. Vous fouillez la femme. You are running away from tu your wife. Tu fouilles le mari. You running away tu from vas your aux husband. Enfants. You go to the kids. Non. No. Attache-toi à ton mari. Just cling on ces to enfants husband. Vont partir. Now those kids will go. Vous resterez ensemble. You quand will vous avez together. Des problèmes. When you have problems. Tu as des problèmes dans ta maison. You have problems in your tu house. Tu fuis. You run away. Tu pars chez un autre frère. You go to another brother. Non. No. Résous ton problème. Resolve your problem. Tu fuis pourquoi? Why are you running away? Est-ce qu'il dit quand nous avions dit avec vous on a dit que non quand on aura des problèmes on va fuir? Did we read that when we are going to have problems? Quand tu seras malade tu vas fuir. When you are going to be sick you run away. Cas de maladie, cas de problème, reste là pour résoudre ça. In case of sickness or problems, stay there and resolve it. Amen. Amen. C'était juste une parenthèse. It was just a parenthesis. Mais c'est très bien. But it is very good. Parce que le mariage est très très important. Because the marriage is very very important. Sinon le diable entre, il dérange le mariage, ça devient un problème. Otherwise the devil will get in and just disturb marriages and there will be a problem. L'évangile de Jésus-Christ. Now the gospel of Jesus Christ. N'est pas donné n'importe comment. It's not delivered anyhow. Amen. Amen. Et on l'accepte pas n'importe comment. And we don't accept it just anyhow. On l'accepte par la révélation. We accept it by revelation. Amen. Amen. Sans la révélation, without the revelation, vous n'allez pas connaître qui est Jésus. You will never know who is Jesus. Sans la révélation, without revelation, vous n'allez même pas le croire. You will not even believe. Parce que vous n'avez pas la révélation. Because you don't have revelation. Amen. Amen. Paragraphe 23. Now, paragraph 23. Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Now Jesus Christ at the age of 12. Il est parti au temple. He went to the temple. Il a parlé aux scribes qui étaient là. And he spoke to the scribes that were there. La connaissance qu'il avait. Now the knowledge that he had. Amen. Amen. Parce qu'il était Dieu. Because he was God. Les théologiens qui étaient là, now, the theologians, they were there. Ils avaient une foi intellectuelle. They had an intellectual faith. Mais Jésus-Christ avait une foi. Jésus-Christ savait cela par une révélation directe. But Jesus la parole Christ de Dieu, direct. Knew it by a direct revelation, the word of God, direct. Amen. Amen. Les théologiens, the theologians, une foi intellectuelle. They had intellectual faith. On ne peut pas comprendre Dieu par la foi intellectuelle. You cannot understand God by an intellectual faith. Vous allez à l'école pour apprendre Dieu? You go to school to learn about ça God. Ne passe pas. It doesn't work. C'est par la révélation. It is by revelation. Et cette révélation, and that revelation vient par Malachi 4. It comes through Malachi 4. Amen. Amen. Paragraphe 32. Now, paragraph 32. Nous voulons comprendre maintenant l'origine de cette foi-là. Now, we want to understand the origin of that faith. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Eh bien, c'était le commencement de la foi qui a été transmise premièrement au sein. Voyons ce que Jésus a fait. Now, that was the beginning of the faith that was first delivered to the saint. Let's see what Jesus did. Ah, alors,
nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. And then we can have a good conception about what the faith is. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans connaître ce qu'est la foi. Because we cannot speak about faith without knowing what is the faith. Amen. Amen. Maintenant ici c'est le frère Branham commence maintenant à nous expliquer. Now here Brother Branham start explaining that. Qu'est-ce que cette foi là? What is that faith? Qui a été transmise? There was delivered. Une fois pour toutes. Once and for all. Il dit ceci. Amen. Eh bien, Amen. C'est lui qui l'a apporté. He introduced it. Jean l'a présenté à partir d'un miracle. John introduced him by a miracle. Un signe. A sign. Ou plutôt un halo au-dessus de lui. Or a halo over him. Sous la forme d'une colombe. In the shape of a dove. Et cela s'est posé sur lui. Et Jean avait entendu l'Esprit dire, maintenant, celui sur qui tu verras cette lumière et en qui elle entrera, c'est lui le Messie, car c'est le signe du Messie. Amen. Jean, ce sera là le signe pour toi. Tu le verras. And it went upon him, and John heard the Spirit say, now, ever who you see this light over, and he goes into him, that will be the Messiah, because that is the sign of the Messiah. Amen. John, to you, that's the sign. You will see it. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on a dit à Jean. That is what they had told John. Et ça, c'est le commencement de cette foi-là. And this was the beginning of their faith. Et cette foi-là, c'était Jésus-Christ. And their faith was Jesus Christ. Et Jean devrait l'introduire. And John had to introduce him. Amen. Amen. Et par lui, and through him, nous devons combattre maintenant cette foi-là. We have to contend for that faith. Exact. C'est ça la vraie traduction. C'est ça. That's Amen. Amen. Quand Jean est venu, when John came, faut pas nous dire Jésus Christ était un homme ordinaire, c'est ça. Jesus Christ il est ordinaire. An ordinary man. Il passait. He was walking. Les gens ne connaissaient pas. And people didn't know him. Il est passé. Mais Jean avait la révélation. But John had the revelation. Mais tout le monde qui était là, but everybody else who was there, rien du tout. They didn't have no idea. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation. Because they did not receive the revelation. C'est comme aujourd'hui. It's like today. Le message est là. The message is here. Beaucoup de gens passent dessus. But a lot of people just pass over. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Go around. Why? Because they don't know. They don't have the revelation. Vous devez vous sentir heureux. You have to feel happy. Parce que Dieu vous a parlé. Because God has spoken to you. Jean avait les signes du Messie. John had the sign of the Messiah. Il attendait l'accomplissement seulement. He was just waiting for the accomplishment. Et ça s'est accompli. And it was fulfilled. C'est ça le début. This was the beginning. De la foi. Of their faith. Qui a été transmise. There was once delivered. Une fois pour toutes. Delivered once and for all. And that was the beginning. Amen. Amen. Je crois que jusque là, on comprend d'où vient ce truc-là. Comment la foi là a commencé. Now, I think that so far we are understanding where that or how that faith started. On pose seulement la question, la foi là c'était quoi que Jude parlait. Now, we just ask the question, what was that faith that Jude c'était was speaking about? C'était le signe du Messie. It was the sign of the Messiah. C'est clair. It is clear. Rien que par le titre de prophète. Only by the titles of the prophet. La prédication est déjà finie. Now, the whole sermon is over. Rien que par le titre, c'est inspiré. Just by the title, it's inspired. Amen. Amen. Cette foi-là, that faith que Jude parlait, that Jude was speaking ça about, ça commençait le jour où Jésus-Christ, Jean-Baptiste a vu Jésus, a présenté Jésus. It started from the day that John the Baptist saw Jesus and introduced him. Le signe de Messie. That was the sign of the Messiah. Maintenant, vous et moi, now, you and I, quel est le signe de Messie aujourd'hui? What is the sign of the Messiah today? Comment tu dois reconnaître le signe de Messie aujourd'hui? How are you going to recognize it today? Tout se passe par la révélation. Everything passed through revelation. Amen. Amen. Caïn et Abel. Cain and Abel. Faut pas dire, ils étaient des religieux. Brother Abraham says they were very religious. Amen. Amen. Tous deux, ils étaient des religieux. Both of them were religious. Ils ont fait l'autel, tous deux. Now, they all built the altar. Mais d'où vient maintenant le problème? But where did the problems d'où vient la différence? Come from? Where was the difference? Faut pas dire, tous deux, ils étaient enseignés par les mêmes parents. Now, Brother Branham says, both of them were taught by the same parents. Amen. Amen. Maintenant, d'où vient la différence? But where did the difference came from?
C'était par la révélation. It was by revelation. Amen. Amen. Même aujourd'hui. Even today. Qu'est-ce qui fera la différence? What is going to make the difference? Entre toi et l'autre. Between you and somebody else. C'est la révélation. It is the revelation. Amen. Amen. Vous pouvez voler. You can fly. Vous pouvez parler. You can speak. Sur le plan évangélique. On evangelical realm. Vous allez parler la même chose. You will speak the same way. Jésus-Christ est mort à la croix. Jesus Christ died on the cross. Ils diront si Jésus-Christ est mort à la croix. They would also say the same thing. Les baptêmes sont au nom du Seigneur Jésus-Christ. The baptism is in the name of Jesus Christ. They will say the same thing too. Oui. Yes. Mais quand vous entrez maintenant sur le plan prophétique. Now when you go into the prophetic realm. C'est là où ils sont perdus. And that is where they are lost. Amen. Amen. Vous avez déjà expérimenté ça? Have you ever experienced? Parlez avec ces gens-là. Speak to those people. Sur le plan évangélique. And you talk to them. C'est on très evangelical vous stuff. Vous avez le même langage. You have the very same language. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Jesus Christ is the Ils Lord le and the Savior. Aussi. They will say the same thing too. Mais si vous commencez à toucher le plan prophétique. Now when you start touching on prophetic stuff. C'est là où ils sont perdus. That is where they are lost. C'est là où les discussions commencent. That is where arguments start. Amen. Amen. Mais nous avons la révélation. But we do have revelation. De qui est ce Messie-là? Of who is that Messiah? Nous avons cette révélation-là. We have that revelation. Amen. Amen. Abel. Abel. C'était par la révélation. It was by revelation. Amen. Amen. Abel a offert un agneau. Abel had offered a lamb. Par la révélation. By revelation. Amen. Amen. Nous parlons que la foi qui a été transmise une fois, c'est une révélation. Now we're talking about that faith that was once delivered. C'est le signe du Messie. It is the sign of the Messiah. Regardez la femme au puits. Now look at that woman at the well. Amen. Amen. Cette femme là. That woman. Quand elle a rencontré Jésus, when she met Jesus, Jésus a commencé à parler. Jesus started speaking. Il a commencé à parler. Started speaking. Donc tu as déjà cinq, tu as été marié à cinq maris, tout ça. You've been married five times. Amen. Amen. Là, il sept. Dit, oh, moi je sais, je connais seulement cinq. Say, but I only know. Five. Oui, mais le sixième est à la maison. Say, but the sixth is in the house. Jésus-Christ a commencé à discerner la pensée de la femme. Now, Jesus Christ started discerning the thought of the woman. Amen. Amen. Il parle, il discerne la pensée. Now, he speaks and then discerns. Il commençait à attirer son attention. Now, started drawing her attention. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Now, what happened? Elle commençait à réaliser. Now, she started realizing. Qu'on nous avait dit. That they had told us. On les avait enseignés. They had taught them. On leur avait parlé des signes de Messie. They had told them the sign of qu'est-ce the Messiah. Qu'est-ce qu'elle a entendu? What has she heard? L'identification. What did she wait for? The identification. Amen. Amen. Parce qu'on les avait parlé. Because they had told them. Comme nous aussi, on nous avait parlé. Like us, they had told us. Mais qu'est-ce qu'on attend? But what are we waiting L'identification. For? The identification. C'est que nous avions écouté. What we have heard. Et la réalité. And the est-ce reality. Que c'est la même chose? Is it the same thing? Amen. Amen. Et là, elle a vu les signes de Messie. She saw the sign of parce the Messiah. Parce qu'on leur avait parlé. Because they had et la suite, c'était quoi? And what was what followed? Elle est partie. She went. Elle est dans la cité. Elle est allée témoigner. She went in the city to testify. Venez voir. She said, come and see. Ça, ce n'est pas prêcher. This is not preaching. Amen. Amen. Elle est partie. She went. Elle a crié. She started venez screaming. Voir. Come and see. Parce qu'on nous avait déjà enseigné. Because we are cet we've already been taught. But that moi, man, je l'ai vu. Me, I had seen him. Et les gens sont venus. And people came. C'est par son témoignage. It was through her testimony. Comme vous aussi nos sœurs. It's like you, our c'est sisters. Par vos témoignages. It is through your testimony. Que les gens viendront. That people will come. C'est par vos témoignages. It is by your testimony. Que vous allez gagner vos maris. That you are going to win your husband. Amen. Amen. Maintenant. Now. Beaucoup d'églises aujourd'hui. Many churches today manque cette révélation. They are lacking that revelation. Beaucoup. Many. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la révélation. They don't have that revelation. Chacun vient et l'interprète de sa manière. Each one of them is coming and interpreting in his own donc, way. Donc quand la parole a été dit dans Matthieu 16, 17 et 19, ceci c'est nous. Oh, when the word was said in Matthew 17, 19, it's us. Ah. Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Because they don't have the revelation.
Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Jesus Christ asked a question to his disciples. Dans le monde, partout dans la ville, les gens parlent. Everywhere in the city, people are speaking. Mais non toi. But you. Mais vous. You. Que dites-vous que je suis? Who do you say that I am? Amen. Amen. Que dites-vous que je suis? Who do you say that chacun I am? A sa révélation. Because each one has his own revelation. Il est fils de charpentier. He is a carpenter. Il est Belzeboul. He is Belzeboul. Il est ceci. He is this. D'accord. Yeah, okay. Mais vous. But you. Que dites-vous que je suis? Who do you say that I am? Amen. Amen. C'est comme toi. It is also like you. Amen. Amen. Nous sommes des petits messieurs, n'est-ce pas? We are the little messiah, aren't we? N'est-ce pas? Nous sommes des petits messieurs, des messiahettes. We are messiahettes. Amen. What, brother, brother? Okay. Yeah. Maintenant. Now. Toi aussi pose la question à ta femme. Now, you also ask your wife that question. Que la femme pose aussi la question à son mari. Let also the wife ask the question from her husband. Amen. Uh-huh. La famille dit ceci. Family is saying this. Mes amis disent ceci. My friends are saying Mais this. Mais qu'est-ce que toi tu dis de moi? But what do you say about me? Amen. Amen. Vous aurez la réponse. No, you will have the answer. Au travail, on dit que je suis méchant. Oh, at work, they say I am very. Ils disent que je suis un bon monsieur. Wicked, or I'm a good guy. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de moi? But you, what do you say about me? Est-ce qu'on peut voir ce signe-là en vous? Can we see that sign in you? Nous sommes des petits Christ. Now we are the small Christ. Amen. Amen. Christ est en vous. Christ is in you. La parole est en vous. The word is in you. Est-ce qu'on peut voir cette manifestation? Now, can we see that manifestation? Pour qu'on dise, so that we can say, tu es un bon frère. That you are a good brother. Pour qu'on dise, so that we can say, tu es une bonne sœur. You are a good sister. Parce que nous devons avoir la foi. Because we have to have the faith. Cette foi, c'est direct. Now, that faith is a direct. C'est à toi, ce n'est pas à moi, c'est à toi. It is to you, it's not to me. Amen. Amen. Maintenant, on te pose cette question. Now, they ask you that question. Mais voilà, Simon Pierre a répondu. Now, Simon Peter had answered. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? What did Jesus say after ce that? Ce n'est pas la chair. It was, it's not. Ce n'est pas le sang. It's not a flesh qui or t'ont révélé blood. Ceci. They had revealed pour reconnaître le nom de Jésus. Just to recognize the c'est name of Jesus Christ. C'est par la révélation. It is by revelation. Sans révélation. Without revelation. Vous allez seulement citer oh, Jésus-Christ, Jésus, mais vous ne le connaissez pas. You are just going to say Jesus Christ, but you don't know him. Amen. Amen. C'est Jésus là, c'est le message. It is that Jesus is the message. Amen. Amen. Fabanam dit ceci. Fabanam says this. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Today I'm not going to be really long. Amen. Amen. Fabanam dit ceci. Now Brother Mary said this. Dans paragraphe 36. In paragraph 36. Il dit enseigner la parole. He said teaching the word. C'est comme lire un journal. It is like reading a newspaper. Pourquoi? Why? Et comment? And how? Quelqu'un lit la parole du Dieu. C'est comme un journal. No, somebody's reading a word, you say, oh no, it's like a newspaper. Ça devient journal quand il n'y a pas la vie. No, it becomes a newspaper when there is no life. Il faut que ça soit accompagné par la démonstration. No, it has to be accompanied by Amen. The demonstration. Sinon, on sera seulement en train de parler. Ça devient un journal. No, otherwise we will be there just, you know, talking. That becomes like a newspaper. Parce qu'on nous avait donné la foi. Because they had given us on nous a donné la puissance. They gave us power. Il a dit aller partout dans le monde. He said go all over the prêchez world. La parole. Preach the word. Ceux qui vont croire. Those who are going baptisez to believe, les. Baptize them. C'est aussi la foi. It is also the faith. Il a dit. He said. Vous imposerez les mains aux malades. You are going to lay your hands on the sick. Et les malades seront guéris. And they will be healed. C'est aussi la foi. It is also faith. Tout ce que Dieu a dit, everything that God said, c'est la foi. It is the faith. Cette foi-là, that faith, que Jude parlait, that Jude was speaking about, parce que c'est la parole de Dieu. Because it's the word of God. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, everything that God said in His word, c'est ce que Jude avait dit. That is what Jude said. Parce que c'est tout ça, c'est Jésus Christ. Because everything is Jesus Christ. Amen. Amen. On a projeté ça, paragraphe 36. 36. Il dit ceci. He said this. Okay.
Quand il était, disons, la femme au puits, il lui a dit où ce mari était. Plutôt le nombre de fois qu'elle s'était mariée. Elle a dit que c'était le signe du Messie. Je lui ai dit ça. Il a beaucoup de choses à ce genre. C'était donc ce qu'il avait porté à ce moment-là quand il est parti. Suivez attentivement maintenant avant que nous formions la ligne de prière. Many things he did like that. Then that's what he introduced then when he went away. Listen close now before we call the prayer line. Amen. Amen. Il dit ceci. Oh, cette horloge, plusieurs fois, quand il était ici sur terre, avant de s'en aller, il a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Oh, the clock. Many times when he was here on earth and before going away, he said, these things that I do, shall you do also. Vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Allez partout le monde. La dernière mission, la grande commission adressée à chaque ministre. Even more than this shall you do, for I go to my Father. Go ye into all the world, the last commission, the great commission to every minister. Amen. Amen. Vous savez que tous nous sommes des ministres, n'est-ce pas? Now, you know that all of us, we are ministers, right? Amen. Tous nous sommes des ministres. All of us, we are. Amen. Amen. La différence, c'est quoi? What is the difference? Nous, on se met ici. We stand here. Mais vous, vous ne vous mettez pas ici. But you don't stand here. Amen. Amen. Mais vous êtes des ambassadeurs. But you are ambassadors. Vous êtes les disciples. You are disciples. On dit allez partout. They say go everywhere. Prêchez la parole. Go preach. Les femmes, vous pouvez aussi aller prêcher. Now, women, you can also go preach. Si tu trouves une femme, tu la prêches, où est le problème? If you find another woman and you preach to her, what's the problem? Vous laissez ça seulement aux hommes. You just leave it to men. Non. No. Vous pouvez aller. You can go. Votre cible, ce sont les femmes. Your target will be the women. Amen. Amen. Comme ça, nous aurons, oh, telle sœur est venue, c'est celle qui l'a prêché. Now, we can now have that sister that we say, that sister came here, it's because that other sister preached to her. Amen. Amen. Mais vous n'avez pas seulement dans vos cuisines en train de préparer. Non, vous avez aussi la responsabilité. Just don't be Amen. In your kitchen cooking. You also have the responsibility. Amen. Amen. C'est ça la foi aussi qui that a été transmise une fois. Also, that faith that was once delivered. Il dit, qu'est-ce qu'est l'évangile? What is the gospel? Vous dites c'est la parole. You say it's the word. Ce n'est pas seulement ça. Not only that. OK? Mm-hmm. Paul a dit que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement. Paul said the gospel came not through word only. Mais avec la puissance et la manifestation de la parole par le Saint-Esprit. But through the power and the manifestation of the word by the Holy Et puis Ghost. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Now, you can continue and say to teach the words like reading a newspaper. Quand il n'y a pas la puissance when there is no power qui accompagne cette prédication, that goes with that preaching, mais c'est le cimetière. It is like a cemetery. Il faut qu'il y ait la manifestation. There's got to be a manifestation. On prêche la parole. We preach the word. Les gens sont convertis. People are converted. On prêche la parole. We preach the word. Les gens sont guéris. People are healed. On prêche la parole. We preach the word. On sent que oui, il y a la manifestation. Les gens changent. We feel that there's a manifestation because people are changing. Amen. Amen. Sinon, ça serait une église morte. Because, otherwise, it will be a dead church. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons maintenant? Now, what do we want now? Nous voulons avoir des ministres. We want to have ministers. Qui ont cette puissance-là. Who have that power. Les ministres loin de Dieu. Ministers who are anointed by Amen. God. Amen. Quand ils prêchent la parole. When they preach the word. Ils brisent les chaînes. They break the chains. Quand ils prêchent la parole. When they preach the les word. Les gens sont changés. People are changed. Amen. Amen. Il dit dans 37. On paragraph 37. Quand je suis arrivé en Inde. L'évêque méthodiste et beaucoup d'autres sont venus m'attendre là. Ils ont dit. Frère Branham, nous avons déjà entendu ces choses. Quand Frère Branham a voyagé, il est parti en Inde. When Brother Branham went to India. Ces gens-là ont déjà écouté la parole. Those people had already heard the word. Ils ont déjà écouté la parole. They had already. Quand Frère Branham a dit, nous avons déjà écouté ça. Brother Branham says that they say we already heard it. Maintenant, écoutez. Now listen. Nous avons prêché la parole. Nous en avons peut-être plus sur la théologie que vous tous les Américains réunis, parce que la Bible est un livre oriental. We preach the word. We know more about theology, perhaps more than all of you Americans put together, because the Bible is an Eastern book. Mm-hmm. Il dit, et c'est juste. He said, yes, that's right. Il a dit,
Mais nous voulons voir quelqu'un. Voilà maintenant là où est le challenge. Now, this is where the challenge is because he said, but we want to see someone. OK? Amen. Ils ont déjà été enseignés. They were already taught. Ils ont déjà la parole. They ils ont la Bible. Ils connaissent. Word. They have the Bible. Que c'est les sauvés. Oui, d'accord, nous they connaissons ça. They know that Jesus Christ mais is nous voulons maintenant voir quelqu'un. But we want someone qui est oint du Saint-Esprit. Anointed with the Holy Spirit. Qui peut faire encore cela. That can make it live again. Voilà la chose. That's it. Nous voulons quelqu'un. We want somebody qui peut produire ce que la Bible déclare qu'elle produira. Who can produce what the Bible says it will do? C'est quoi ça? À d'autres temps, Frère Branham, vous voulez dire quoi? In other words, what the Brother Branham nous voulons voir la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. We want to see the faith that was once delivered to the saint. Amen. Amen. Prêcher la parole, c'est bien. Preaching the word is good. C'est pas que je parlais de l'évangélisation. That's why I was talking c'est about la même chose, oui, d'accord. Evangelism. Mais si le plan prophétique, non. But when you get to prophetic stuff, mais là, ça doit no. être accompagné par des miracles. Now it has to be accompanied with by miracles. Okay? Amen. Le vrai miracle, c'est quoi? What is the true miracle? C'est un pécheur. It is when a qui sinner. Christ. Accept Christ. Ça, c'est le vrai miracle. That is the true miracle. Amen. Amen. Okay. Dans Jacques 2, 17, 18, qu'est-ce qu'il est dit? In James 2, 17, 18, what does he say? Amen. Amen. Il en est ainsi de la foi. It is, it's also the si same elle n'a the pas les œuvres, if it doesn't have works, elle est morte en elle-même. It is dead in its own, in itself. Une foi sans œuvres. A faith elle without est morte works. En elle-même. It's dead. Malgré vous pouvez crier. Despite the fact malgré that you vous pouvez dire quoi que ce soit. Despite the fact that you si can say on ne voit pas les œuvres. If we don't see the c'est works. Une foi morte. That is a dead faith. Mais quelqu'un dira. Quelqu'un dira. Somebody will say. Toi tu as la foi. You have the faith. Et moi j'ai les œuvres. I have montre-moi works. Ta foi sans les œuvres. Show me your et faith moi je te montrerai works. La foi par mes œuvres. And I will show you my faith by my works. Amen. C'est le défi. This is the challenge here. Maintenant regardez Jésus-Christ. Now watch Jesus Christ. Plein d'amour. He was full of love. Mais il avait une parole tranchante. But he had a word that was hurtful. Amen. Amen. Plein d'amour. He was full of love. Mais une parole tranchante. But he had a word that was hurtful. Il parle à Philippe. He is talking to Philip. Philip était sauvé. Philip was saved. Il amène Nathanaël. Then he brought Nathanael. Jésus dit. Jesus said. Jésus déclare. Jesus declared. Voici cet Israël. Look at this Israelite. Dans lequel il n'y a point de fraude. In whom there's no guile. Amen. Philip sauvé. Philip was saved. Il va amener Nathanael. Now he brought Nathanael. Nathanael vient. Now Nathanael comes. Jésus le voit. Jesus saw Jésus him. Témoigne. Jesus now is testifying. Maintenant. Now. Est-ce que Jésus peut témoigner aussi de toi? Can Jesus testify about you? Voici tel, voici frère Mala. Now, see brother Mala. Il n'y a plus de fraude en lui. There was no guile in him. Dieu peut le faire. Can God say that? Bientôt nous entrons dans la saison des taxes. Now we are going to get into tax season. Amen. Bientôt. Now soon. Toi qui trompes. You who lies. Toi qui fabrique les choses bizarres. You who create things that are really, you know, you need to stop it. Amen. Amen. Arrête ça. Stop it. Ça ne te produira à rien. Ça ne t'aidera à rien. And it's not going to help you by nothing. C'est du vol. It is stealing. Est-ce que Jésus peut dire ça aujourd'hui? Now, can Jesus say that today? Que en toi, il n'y a pas de fraude. That in you, there's no fraud. Non, frère, ça peut passer. No, brother, it can go through. Je connais quelqu'un. I know somebody. Il vient dans ce pays. He came into this country. On le parle de taxes. They told him about tax. Il a eu un petit travail. Now, he had a little job. Maintenant, après quand il déclare des taxes, now, when he filed his taxes, on dit qu'on peut ajouter ceci, on peut ajouter ceci, on peut ajouter ceci. They told him, we can add this, we can add that, we can add this. D'ailleurs, on peut dire même que tu es chauffeur de Uber. Now, we can even say that you drive Uber. On a bombardé les montants là-bas. Now, they put a big sum there. C'est bien. It's good. C'était parti.
It went through. Après, on retourne. Now, then, they sent it back. Dit, prouve-nous. They told him, now, you have to prove to us. Te dépense ici. All of those... Donne-nous les évidences. All of those expenses. We need evidence. Oh, ou bah, voit les, quand on fait des... On doit voir que tu as fait ceci par mois, par année, tout ça. Now, alors, Uber, il n'en avait pas. Uber also does send a proof that you had worked with parce them, but this guy didn't have it. Parce que quand il a déclaré, on dit que tu as 2000. Because when he declared, they say that you, when he filed, they say you have $2,000. Dit, ah, moi j'avais entendu. But he said, no, me, I heard. Que non, on peut me donner 10,000, 5,000, mais comment toi tu peux donner? Non, il y a moyen, il y a moyen. No, there's a way. Non, ne te dérange pas. They say, don't bon, worry. D'accord, tu as fait le Uber, pam, said, d'accord, no, d'accord. You did Uber and did, but they put that on. C'est there. Des fraudes. It is fraud. Amen. Amen. C'est des fraudes. C'est que vous n'avez pas fait. Whatever you ne le déclare pas. Don't file that. Même pendant ce moment de COVID ici. Even during this COVID moment. C'est que tu n'as pas fait. What you didn't. Pourquoi tu veux déclarer? Why do you c'est want to declare fraud. That? It is fraud. Dieu te parle maintenant. God is speaking to you now. Amen. Amen. Maintenant. Now. Le monsieur, on lui envoie. Maintenant, envoie-nous des preuves, des évidences. Now, that guy, they want evidence. Que tu as $10,000. That you deserve $10,000. Pas d'évidence. He didn't have no evidence. L'argent est bloqué. Now the money is blocked. C'est déjà une tache. Now that is a spot. Tu peux venir à l'église. It's stain. Tu veux venir à l'église. Now you can come to church. Qui connaît ton record? Now who knows your record? Qui? Who? Dieu connaît ton record. God knows. Amen. Amen. La foi. The faith. Qui a été. That was. Une fois transmise. Once delivered. C'est quoi? What is it? C'est la révélation du Messie. It is the revelation c'est of the parole. Messiah. C'est la parole. It is the word. Quand cette parole est en toi. When that word is tu in you. Tu vas vivre comme Christ. You are going to live like Christ. Tu ne verras pas Christ en train de faire des funny things. Non. No, you're not going to see Christ doing funny things. Non. No. Tu ne le feras pas. Tu ne feras pas. You're not going to do. Ou soit. Either tu es identifié à Christ, you are identified with Christ, ou identifié au diable, or you are identified il y a to pas the l'intermédiaire. Devil. There is no middle pas. Ground. No. Ou vous avez la foi, either you have faith, ou vous ne l'avez pas, or you don't have it. Et Frère Branham dit, and Brother Branham la says, foi, the faith, c'est le sixième sens. It is the sixth et sense. Et cette foi là, and that faith, est donnée uniquement aux enfants de Dieu. It is only given et to et ne donne pas à qui que ce soit. God's children. He just doesn't give it to anybody. D'abord, Jude a parlé aux saints. Now, Jude was even talking to saints. Amen. Amen. Tu peux prétendre que j'ai ça. You can pretend I have it. Ce n'est pas un problème. No problem. Vous avez le message. No, you know the message. You tu have ne peux pas message. Tromper Dieu. You cannot lie to il God. Il nous a été dit ceci. Il nous a été dit ceci. We were told this. Yeah, c'est ça. Uh-huh. Il nous a été dit ceci. We were told this. Vous allez les reconnaître. You are going to recognize par them. Quoi? By what? Par leur prière. By their prayers. Vous allez les reconnaître. No, you. Par leur you façon de prêcher. By the way of preaching. Amen. Vous allez reconnaître you know par leur façon de manger. By the way of eating. Hein? Huh? Ou l'école qu'ils préfréquentent. Or the school that they go to. Ou la voiture qu'ils conduisent. Or the car that they drive. Non. No. Par leurs fruits. By the fruits. Tu peux porter la longue robe. You can wear the long skirt. On veut le connaître par la longue robe. La longue robe. Did they say that we are going to know them by the long skirt? Par la belle cravate, the nice, necktie. Par les fruits. No, by the fruits. Nous sommes calmes seulement. We are just quiet. Tu peux parler. You can talk. Nous avons cru le message. We believe the message. C'est bien. That's good. C'est bien. That's good. Ce n'est pas mauvais. That's not on ne doit pas cacher. We cannot moi, hide je porte it. Ma cravate. Me, on a qui believe the sign. My necktie. Ça, ce n'est pas believe the sign de ces faux gens-là. Non. No, this is not for those moi, false je crois people. Que Dieu dans cet âge ici. Me, I believe that God. Il y a eu des signes. They were signs. Et je crois ces signes-là. C'est pourquoi je porte ça. That is why moi, je I wear crois. This. I believe. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. I did not sin. Yes. No. Oh, le frère ne porte pas ça parce que... Non, moi, oh, je fais brother, la publicité don't wear de this. Christ. Me, I am doing je the advertisement crois en ce of Christ. Ici. I believe in this il y a moment. Eu des signes. There were signs. Il y a eu des prodiges. There were moi, wonders. Je les crois. I do believe that. Amen. Amen.
Donc évitons les choses qui ne vont pas honorer notre Dieu. So we need to avoid the things that are not going to honor our God. Amen. Amen. Parce que Nathanaël était Israël physique. Now, Nathanael was a physical Israelite. Amen. Amen. Vous, vous êtes Israël spirituel. But you are a spiritual Israelite. Amen. Amen. Mets ton nom là-bas. Now, put your name in there. Quand Jésus-Christ te voit venir. When Jesus Christ sees you coming. Tu peux me cacher. No, you can hide it to tu peux cacher me. Mon frère. You can hide it from tu peux cacher brother. Ta femme. You can hide it from mais quand Christ te voit venir. But when Christ sees you coming. Est-ce qu'il peut dire? Can he say? Il n'y a point de fraude en toi. That there is no fraud. God. Fraud. 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 Au travail. At work. Tu as la responsabilité. You have some responsibilities. Il n'y a que des papiers. It's just papers. Tu prends, tu viens à la maison avec. No, you take it from there and bring it home. C'est du vol. It is stealing. Parce qu'on a fait les devis. Because when they on a pas dit que toi tu vas prendre 10 papiers. When they decide to buy furniture, they did not say that you are going to take 10 papers. Non. No. Ne prenez pas. Don't take it. Dieu t'a donné ce travail là. God gave you that il job. Il t'a donné le moyen aussi. He also pour gave acheter you les papiers. Money so you can buy your own papers. Même les stylos là. Even those pens. Ça coûte rien. It doesn't cost anything. Amen. Amen. Regardez Job. Look at Job. Le diable vient. Now the devil comes. Dieu lui-même commence avec le diable. Now God himself started with the devil. Tu as vu mon enfant? Did you see my son? Toi aussi. You too. La même chose. The same thing. Le diable passe seulement tranquillement. Now the devil is just walking, going about Jésus, his business. Tu as vu mon fils là mala? Now Jesus will tell him, did you see my son, that one mala? Pour que Jésus parle de toi. So before Jesus speaks about you, il faut qu'il trouve sa parole de la foi en toi. He needs to find the word of faith in you. Avant qu'il parle de toi. Before he speaks sinon about le diable you. Va le défier. Otherwise the devil will challenge him. Voilà ce que tu disais, voilà, voilà, on l'a attrapé dans le fraude. And he would say, but look at this guy you were saying. No, now he was caught Dieu stealing. Dieu doit être sûr. God has to be quand sure. Quand il te présente. That when he is presenting quand il sait que you, oui, je présente mon fils. He knows that I am presenting my son. Amen. Amen. Il a dit, oui, tu l'as vu mon fils. He said, yes, did you il see my son? Il a donné son nom. He gave his name. Job. He said, Job. Il dit, oui. He said, yes. Je l'ai vu. I saw him. C'est parce que tu l'as béni. It is because you blessed him. Ça, c'est ce que diable va dire de vous. That is what the devil is going to c'est say vrai? About you. Yes. Dieu t'a donné ce travail là. God gave you that job. Pour ne pas tomber dans des petites choses, papier, bic, crayon, gomme. So that you're not going to do those petty things, you know, papers, eraser, pen, pencils. Pourquoi? Why? Le computer, tu ne peux pas voler. The computer, you cannot steal it. Parce que c'est il y a le numéro d'identification. Because it has a barcode. On va identifier là où ça se trouve. Because they will find where it is. That's right. Quand les téléphones ont commencé. When phones started. Quelqu'un a volé le téléphone de quelqu'un. Somebody stole somebody else's cell phone. On a volé mon téléphone ici. Oh, they stole non, my phone. Non, c'est pas moi. No, on respecte la personne. Now, because of respect, you know. On ne peut pas le toucher. They cannot touch him. Il est chef. He is a boss. Non, mon frère, il n'y a pas de problème. No, I say, no, there's composons no problem. Composons les numéros. I say, let's dial the number. Ça it didn't start mais ringing. Comment ça y est là-bas? Now, how is it in your pocket? Comment? How? Voler. Thief. Jésus quand il te voit, Jesus, when he il sees ne you, peut pas témoigner. He cannot testify about you. Non. No. Il va témoigner quoi? What is he going to testify il témoigne about? Sa parole. He's testifying about his word. Et ta parole n'est pas en toi. But his il word ne is fera not pas. In you. In you. He's il not va passer know. Seulement. He is just going to go about his business. Il dit, bon, parce que tu l'as béni. He said, because you blessed il him. Il dit non. He said, no. Vas-y. Go ahead. Mais ne touche pas son âme. But just don't touch his pourquoi? Soul. Why? L'âme, c'est la parole. Because the soul is l'âme, the word. L'âme, c'est Dieu lui-même. The soul le is diable God himself. Ne peut pas toucher la parole. The devil cannot touch pas the word. Pas du tout. No. Mais il peut venir. But he can come. Il joue sur ses corps ici. He can play with ça, this c'est rien. Flesh. This is nothing. Manque de travail. Lacking. Coronavirus. No work or oh, coronavirus. Il n'y a pas de problème. There is no problem. Mais je sais là où je me tiens. But I know where I'm standing. Je connais là où mon âme se tient. I know where my soul c'est dans stands. La parole. It is in the word. Amen. Amen.
Quand il est parti, when he went, Dieu nous a laissé le pouvoir. God gave us the power. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce pouvoir aujourd'hui? But what do we do with that power today? Il nous a laissé le pouvoir. He gave us the C'est power. Aussi la foi. It is also the faith. C'est Christ. It is Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit? What did he Je say? M'en vais vous préparer une place. I am going to prepare Je ne vous place. Laisserai pas des orphelins. I am not going Je to vous enverrai. I will send you. Ah, est-ce qu'il n'a pas envoyé? Didn't he send? Il n'a pas envoyé. Didn't he send? Le Saint-Esprit. The Holy Ghost? Il n'a pas envoyé. Les gens ils n'ont pas envoyé le Saint-Esprit. Oh, he didn't. People are not understanding. He didn't send it. Mais là, s'il a envoyé le Saint-Esprit. No, if he sent the Holy Ghost. Tu l'as reçu. Did you receive him? Parce qu'il a promis. Because he promised. Je m'en vais. I am going. Je ne vous laisserai pas des orphelins. I am not going to. Je vous enverrai. I will send you. Ah! Toi, tu as seulement reçu Malachi 4. But you say that you only received Malachi 4. Seulement le nom de Branham. Only the name of Branham. Tu as seulement accepté le nom de Branham. You have accepted the name of Branham. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. But you don't have the Holy Ghost. Non. No. Amen. Amen. Parce qu'il l'a envoyé. Because he sent. Et quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Ghost, tu as ce pouvoir. You have that power. Parce que c'est une promesse. Because it is a promise. Jude te rappelle. Jude is reminding Combat. You. Now, contend. Il faut combattre. You have to fight. Ce n'est pas quelque chose que tu vas rester sabbat. Non, tu dois combattre. No, it's not something that you are just going to sit right there and then it comes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les fainéants. No, the kingdom of God is not for cowards. Non. No. Tu ne jeûnes pas. You don't fast. Tu ne pries pas. You don't pray. Ah. Oh. Quel type de chrétien? What kind of Christian are you? Jésus lui-même a prêché, a jeûné. Jesus himself had fasted. Branham a jeûné. Branham fasted. Toi, tu ne jeûnes pas. You don't fast. Il y avait une doctrine qui était venue. There was a doctrine that came. Oh, Jésus-Christ avait dit à la croix, tout était accompli. That Jesus Christ said on the cross that all is finished. Pourquoi je dois encore jeûner? Why should I fast again? Ah! Ah! Mais vous oubliez. But you forget. Il a dit. He said. Vous voyez ce genre d'esprit. You see those kind of spirits. Ce n'est pas seulement par la prière simple. It's not only by simple prayers. Amen. Même quand tu es malade. Even when you are sick. Quand tu as des microbes. When you have germs. Vous allez à l'hôpital. You go to the hospital. Ce n'est pas tous les microbes qu'on prescrit les antibiotiques. It's not all bacteria that they will give you antibiotics. C'est niveau par niveau. They have different levels. Amen. Amen. Quand le péché est là, when sin is there, vous priez. You pray. Vous priez. You pray. Quand la maladie est là, when sickness vous is there, priez. You pray. Oui, parce que c'est écrit. Yes, because it's written. Priez. Pray. Quand il y a un problème dans ta maison, when there's a problem in your house, ne paniquez pas. Don't panic. Parce que tu as cette puissance là. Because you have that power. Ah, oh, j'appelle. Oh, I will call. Frère Mala. Oh, brother Mala. Brother Mon enfant Mala. Est malade, frère Mala. My child is sick. Est-ce que toi, tu as d'abord commencé? But did you even start? Toi-même. You yourself. Pour dire que j'ai commencé. To say that I had mais started. Mais je veux les renforts. But I need reinforcement. Toi, tu ne pries pas. You don't pray. Moindre problème, tu commences à trembler. Any problem, you mais start. Mais la foi que Dieu a donnée. But that faith that God cette gave. Foi-là que Dieu a transmise. But that the faith that quand God qu'est-ce had, que ça va se manifester dans ta vie? When is it going to manifest itself in your life? Quand? When? Prier pour les autres, tu ne pries pas. Praying for others, you don't pray. Depuis que tu as cru. Since you believe. As-tu déjà jeûné pour quelqu'un? Have you ever fasted for somebody? Pas pour toi-même. Not for yourself. Pour quelqu'un. For somebody. Mais pour discuter. But to argue. Vous les connaissez par leurs fruits. No, you will know them by the fruits. Frère Branham dit ceci. Now, Brother Branham says this. Les ministres sont appelés à exercer la foi. Ministers are called to exercise faith. Toi-même, le ministre, tu n'as pas la foi. You, the minister, you don't even have. Mais qu'est-ce faith. Que tu vas transmettre aux autres? But what are you going to deliver to others? Amen. Toi-même, tu n'as pas. You don't have faith. Tu ne connais pas qui est Messie. You don't even know who is Messiah. Mais tu vas transmettre quoi? But what are you going to deliver? On donne ce qu'on a. You can only give what you have. Ce que tu n'as pas, tu ne donnes pas. Whatever you don't have, you cannot give it. Amen. Amen.
Nous sommes presque à la fin. We are almost at the end. Okay. Frère, yes. Projette-nous la prédication Avoir soif de la vie. Now, du 4 mars 1960. Now, give us the sermon to have thirst of life. Thirsting for life. 4 juin. Yeah, 4 mars. March 4th, 1960. Okay. Frère, brothers, dans ce combat, in this fight, il y a les autres qui perdent connaissance. There are people who get unconscious. Il y a les autres qui perdent ce qu'ils sont, ils oublient ce qu'ils sont. There are also those who forget who they are. Mais nous sommes appelés à travailler la main dans la main. But we are called to work hand in hand. Si vous avez cette foi en vous. But if you have that faith in you. Amen. Amen. Cette foi-là, c'est Jésus-Christ lui-même. That faith is Jesus Christ himself. Je ne pense pas. I don't believe. Tu vas voir ton frère. That you will see your brother. En train de s'enfoncer dans un trou. Falling into a pit. Et tu le laisses. And you just leave him there. Je ne pense pas. I don't think so. Si tu le fais. If you do that. C'est que tu n'as pas encore eu cette foi-là. It means that you don't have that faith yet. Vous connaissez l'histoire de l'esclave. Now you know the story about that slave. Qu'est-ce que Frère Branham dit? What did Brother Branham say? Il connaissait d'où il est venu. He knew where he came from. Quand les autres avaient les têtes courbées, when others had the head bowed down, lui était là pour les encourager. He was there to encourage them. Parce que lui connaissait sa position. Because he knew his position. Maintenant, toi, tu as connu ta position. Now you have known your Pourquoi position. Pourquoi ne pas relever ceux-là qui ont les têtes courbées? Why not help those who have their head bowed down? Amen. Amen. Ça prouve que It's a tu n'as pas encore eu cette foi-là. That you have not received that faith yet. Paragraphe 28 dit ceci. L'avoir soif de la vie de la vie. Paragraph 28. Quand vous recevez le Messie, when you receive quand the vous Messiah, recevez cette foi-là, when you, receive that faith, vous n'allez pas apporter le problème dans ce message. You are not going to bring reproach onto this message. Non. No. Parce que Christ est en vous. Because Christ is in you. Lisons. Paragraphe 28. Paragraph 28. Peu importe que nous soyons pauvres et écrasés. Redressons la tête pour encourager les autres. No matter how poor we are, how we have to be run over, how the world talks about you and says everything about you. Ah. C'est ça, non? Non, redressons. Enfin, en bas. Ne nous disputons jamais. We should never have words against one another. Amen. Amen. Ne nous disputons jamais. We should never have words against one another. Si vous avez cette foi-là, if you have that faith, qui a été une fois transmise, that was once delivered, quelque part la foi, madame parle. Well, somewhere right there, Paul, Abraham says, Paul, quand il est parti prêcher, when he went to preach, même les disciples, even the disciples, quand ils ont prêché, when they preached, chacun a prêché de sa manière. Each one of them preached in his own ils ont way. Prêché la même chose. But they preached the very same thing. Amen. Pourquoi? Amen. Why? Pourquoi? Why? La même personne qui était au centre. The very same person who was at the center. C'était Jésus Christ. It was Jesus Christ. C'était la parole. It was the word. Tous connectés par cette personne-là. All of them were connected et ils to ont that prêché person. La même chose. That's why they Mais pourquoi the aujourd'hui thing. On ne prêche pas la même chose? Why aren't we preaching the very same thing? Parce qu'on n'est pas connecté à la même source. Because we are not connected to the very same source. C'est ça la réponse. That is the answer. Amen. Amen. Si la vie de Christ est en vous, if the life of Christ is in you, il n'y aura pas de discussion au milieu de nous. We will not have words one against the other. Dit, quand les gens sont remplis du Saint-Esprit. Brother Branham says, when people are filled quand vous with êtes the Holy Ghost, vraiment du Saint-Esprit. When you are really filled with the Holy Ghost. il dit même la police là, ils vont pas arrêter les gens parce que tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Qui va faire mal à qui? Because he said, even those policemen will not have work because they can't arrest
people. Who is going to hurt J'ai you? L'amour envers moi. I have the love in J'ai me. Le pardon à moi. I have a pardon Il y a in quelque me. Chose qui se passe, je pardonne. If there is something that happens, I will forgive. C'est fini. It's over. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Are we going to have problems? Il n'en aura pas. No. Allons-y. Ne nous disputons jamais. Parlons toujours en bien d'un frère ou d'une sœur. We should always say the highest things about a brother or a sister. Parlons toujours. Let's always say. Ce n'est pas parlons le matin. No, it's not just like on say t'appelle, something in the morning and then they call tu parles you. Le mal d'un frère. You say something tu parles wrong le mal about d'une a brother. Sœur, something et wrong le about soir, a sister. And then in the evening. Non. No. Jamais. Never. C'est pourquoi il dit. He says here. Si vous n'avez rien à dire. But if you don't have anything to say. Ferme ta bouche. Just keep quiet. Tu ne sais pas celui à qui tu ne sais pas celui à qui tu parles. You don't even know who you're talking to. Lui il est candidat d'aller en enfer. He may be a candidate to go to hell. Mais il veut t'influencer pour aller en enfer. But he wants to influence you. Prends so le courage. Just be Rappelle-lui. Courageous. Just remind him. Moi, me, je combat. I am pour la foi. For the faith. Qui m'a été transmise. There was once une delivered. Fois pour toutes. Amen. Amen. Frère. Brother, sœur, sister, n'ayons pas honte. We should not be ashamed de réprimander les péchés. To rebuke sin. N'attendons pas seulement quand nous serons à la chair. We don't have to wait only when we come non. to. No. No. N'attendons pas seulement quand quelqu'un proche de toi. Oh, if it's somebody close non. to you. No. Réprimande les péchés. Just rebuke Mais sin. Faut avoir le Saint-Esprit. But you have to have la conduite du Saint-Esprit. And have the Un jour, Frère Branham était de partir. One time, il a vu Brown une fille qui était mal habillée. And saw a girl that was il arrête. Not il dit, je well. Vais aller la parler. He said, I will go talk to her. Amen. Amen. Il voulait partir. He wanted to go. Il a dit, non, 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 je ne He parle said, pas. No, no, no. Je vais seulement prier pour elle. I will just pray for her. Il y a aussi des cas là où Frère Branham, quelqu'un saoulé. There were also cases where Brother Ram, there was somebody who il was really drunk. Il dit, tu ne vas pas partir. Say, no, you're not going anywhere. Non, 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 tu ne vas pas partir. Say, no, you're not going anywhere. Je vais prier pour toi. I will pray for you. Amen. Amen. Donc, il faut la conduite du Saint-Esprit. So, you have to be under Dans the guidance of the Holy Ghost. Dans tout ce que vous voulez faire. In everything that Demande you want to do. Demande la direction du Saint-Esprit. Ask for the direction Sinon, the, vous allez the guidance of the Holy Ghost or else you are going to create problems. Il dit ceci. Votre vie doit être un exemple. Your life has to be an example. Est-ce que ta vie est un exemple? Is your life an example? Tu peux vraiment dire que ta vie est un exemple? Can you really say that your life is an example? Seulement pendant 9h à 12h, là tu es exemplaire. It's only between 9 to 12 that's when you are an example. Après ça, c'est fini. After that, that's it. Il dit... Car vous êtes fils et filles du roi éternel, et vous devez vous conduire comme tel. Because you are son and daughter of the God, and you ought to conduct yourself in that manner. Amen. Amen. Parce que vous êtes fille et fils de Dieu. Because you are son and daughter of God. Et rien ne faire de honteux. We should never do nothing that would bring disgrace. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, everything that we do, tout ce que nous disons, everything that we say, il ne faut pas que ça apporte le pauvre dans la parole de Dieu. It should not bring disgrace into the word of God. Vous connaissez l'histoire, je vais lire ça et puis on va prier. Now you know the story. I am going to read it and then we're going to pray. Saul, Saul était un méchant. He was a wicked man. Un meurtrier. He was a murderer. Mais il était dans les plans de Dieu. But he was in God's plan. Amen. Amen. Tout le monde le connaissait. Everybody knew him. Qu'il était maîtrier. That he was a murderer. Mais quand il a rencontré Dieu, but when he met God, personne n'était là. Nobody was there. Amen. C'est comme toi et moi. It's like you and I. On nous connaissait. They knew us. La vie qu'on menait. The life that Mais quand we on a rencontré living. Christ, but when we met Christ, ils ne savent pas. They don't know. Amen. Amen. Quand Saul est tombé. When quand il est tombé aveugle, quand Saul, il est, où est Saul? Allez-y. Yes, Saul and it's Saul. Okay. When Saul fell. Okay. Okay. Quand il est tombé, when il était aveugle. He was blind. Et Dieu donne la vision à Ananias. And God gave the vision to Ananias.
Amen. Qu'il va prier pour lui. And sent him to go pray for him. Ananias avait peur. Ananias was scared. Non. He said, no. Non, moi je ne parle pas. No, I'm not. Ça c'est un maîtrier. That guy is. On le connaît. Il va me boxer. Oh, je ne parle pas. Box me. I'm not going there. C'est comme ça que les gens ont peur de vous. That's how some people are afraid of you. À cause de la mauvaise vie que vous avez. Because of the bad life that you have. Amen. Amen. Mais que Dieu nous fasse grâce. Okay. Let God have. Que nous puissions manifester. We have to manifest. Les fruits de l'esprit. The fruits of ces gens-là the spirit. Auront le témoignage. Then those people will have a testimony. Ah, il était ceci. He was this. Mais aujourd'hui, but today, il n'est pas ce qu'il était. He is no longer what he used to be. Qui fait ça? Who is doing c'est that? Le Saint-Esprit. It is the Holy Ghost. Qui fait ça? Who is doing that? C'est la foi. It is the faith. Quand tu as la foi, when you have faith, il y aura la manifestation. There will Ananias be a manifestation. Ananias il a prié pour Saul. Sous Saul. He prayed for Saul. Amen. Amen. Il a retrouvé la vie. And he was able to see. Il a fait le travail de Dieu. He did the work of God. Amen. Amen. C'est comme toi et moi. It is like you c'est and me. C'est vrai. It's nous avons commis de mauvaises choses. We have done mais la parole de wrong Dieu est things. Sortie. But the word of God came pour te remettre dans la bonne voie. Now to bring you back in the right track. Pourquoi ne pas remercier ce Dieu-là? Why wouldn't you thank their God? Toi-même, tu sais ce que tu étais. Now, you yourself, you know who you were. Tu crois que c'est par ta force? Do you think it's by your strength? Je vais vous donner mon témoignage. C'est difficile de parler de soi-même. I will give you my testimony. It's hard to speak about yourself. Je n'aime pas aussi parler de ça. I don't like to speak about it. Mais Dieu permet que je parle de ça. But God had allowed us. Si je dis que je ne parle pas, vous allez dire non, parle. If I say I won't say it, you will say go ahead say it. Bon, je ne parle pas. No, I'm not going to say it. Donc j'ai ouvert la brèche moi-même. Okay, I opened the gap okay, myself. C'est là je vais donner un petit témoignage que je n'avais pas planifié. I will give a little testimony that I didn't plan to. Je ne suis pas né dans le message. I wasn't born in the message. Mes parents étaient des protestants. My parents were a Protestant. Moi-même, j'étais catholique, protestant, parti dans beaucoup d'églises jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans les messages. I was a Catholic, a Protestant. I went in so many churches until je I found myself une église in. I was looking for a church. Là où vraiment la discipline y est. Where there were discipline. Même quand je suis au collège. Even when I was in college. J'ai cherché une option là où il y a vraiment la discipline. I was looking for a career path where there was discipline. J'ai fait la météo. I did weather forecast. Nous étions qu'à trois dans notre salle. In our classroom, it was only three people. Ailleurs, c'était 400. In other places, they had 400 students. Mais nous étions que trois. But in my class, it was only three. J'avais voulu ça. And I wanted that. Pour me tailler moi-même. So that I can just create my own ça, my c'est own sur le plan physique. This is on the physical realm. Moi-même, je me crée des limites. C'est le plan physique. I was, as I was moving along, I was putting my own barriers so I can go through. Sur le plan spirituel. On spiritual realm. C'est vrai. It's true. On a été dans différentes églises. We've been in different churches. On a fait ce que les jeunes peuvent faire. We did what young men or young folks can do. Par ignorance. By ignorance. On était des danseurs, on était des buveurs, on a fait tout ça par ignorance. We were dancers, we were drinkers, we did all that. Quand on a commencé à écouter la parole, when we started hearing the word dans l'église du message, bien sûr, in the message church, on cognait sur le péché. They were hitting, you know, they c'est were. C'est pas moi je crois ça. They were really hammering on. Moi je crois ça. And I believe c'est that. C'est ce qui a fait je sois ce que je suis. And that what molded me. On cogne. They were really hammering. Je pleure. I was crying. Je rentre à la maison. And then I go home. Je fais encore la même chose. And then I do the very same thing. Ah, je reviens encore, on cogne. And then when I come je back to church. Je mets maintenant des limites. Now they, ça c'est moi qui mets des limites. I put the you know the barriers je ne veux myself. Pas faire ceci. No, I won't do je this. Je ne veux pas faire ceci. I won't do this. Comme Dieu n'était pas là. Since God wasn't there. J'ai tombé toujours. I was falling again. Mais le jour où Dieu est entré. But the day God came in.
Je peux voir la boisson comme ça. I can see beer like that. Je ne sais pas comment est-ce que ça a commencé. I don't even know how it started. J'ai prié. I prayed. J'ai demandé à Dieu. I asked God. Seigneur, Lord, aide-moi. Help me. Je ne veux pas ça. I don't want that. Si je le veux, if I want it, que ce cœur-là sorte, let that heart go boire. Out. Let it go and drink by mais itself. Moi, but me, mais, my hand, je ne veux pas le faire. I will not do it. J'ai eu des attaques. I was attacked. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Qu'est-ce que toi tu bois? C'est un seul chrétien. C'est ça, vous passez par là. No, you will go through that. Ne baissez pas les bras. But don't give up. Et j'ai dit non. I said no. J'ai dit au Seigneur Jésus. I told the Lord Jesus, I said, Lord, si tu veux vraiment que je ne boive pas, if you really don't want me to drink, vais boire, the day I will drink, donne-moi une maladie. Give me a sickness. Just, moi, je demande à Dieu. I ask God. Que je ne boive pas. That le jour où je don't vais need boire, to drink, drink. The day I will drink, I need to force it. Il y a beaucoup de signes que moi j'ai demandé à Dieu. There were so many signs that I had asked from God. Si je veux parler comme ça, bloque ma bouche. If I wanted to speak this way, just block my mouth. Et je l'ai fait. And God had pourquoi done pas toi? It. Why not you? Quelque chose qui te dérange. Something that is bothering you. Tu sais vraiment que ça, ce n'est pas Dieu. Then you know that this is not God. Tu peux aussi aller à ton Dieu. You can also go to that God. Seigneur, je n'aime pas ça. And say, God, I don't like aide-moi. This. Aide-moi. Help me. Quand Dieu entre dans la scène. When God comes toi, on the scene. Et toi, tu es sincère. And you are sincere. Tu vas donner le résultat. Tu vas donner le témoignage. You are going to testify. Amen. Ce n'est pas la foule. It is not the multitude, the crowd. Ce n'est pas la présence de Dieu qui passe qui va te sauver. Brother Branham say, it's not the presence of God who's passing that is going to save you. Non. No. C'est ta foi. It is your faith. Parce qu'il a passé. Because he passed there. Quelqu'un qui était là. Jésus-Christ entre, il sort. Jésus-Christ entre, il sort. Il n'était pas guéri. Jesus was going in and out, and the person who was there was never healed. Et ce travail-là, c'est à nous de le faire. Now, that work is up to us c'est pourquoi il nous a laissé cette foi ici. That's why he had given us this faith to pray for the sick. And the sick will be healed. N'ayez pas peur de prier pour les gens. Don't be afraid to pray for people. Let's nous stand. Un mot de prière. We are going to pray. Si Dieu t'a parlé. If God had spoken to you. Une petite chanson, comme ça on va prier. Lord, prepare me to be a sign to worry. Pure and holy. Try dear Heavenly Father, truly we can say that we have heard from you, learned from you, and Lord Jesus Christ, we want to give you thanks for it, for giving us the opportunity to hear your word this morning, to have, Lord Jesus Christ, a portion of your blessing. So Lord Jesus Christ, know, acknowledge that your grace and your love is still upon us. Lord Jesus Christ, we give you thanks. We give you praise. We give you glory, Lord Jesus Christ, because you truly deserve it. Us, as sinners, Father Lord, we come in front of you in this presence, Lord, knowing that you are among us, listening to our request. Father God, Lord Jesus Christ, all that we can say, we ask for more of your grace, more of your mercy.
Lord Jesus Christ, that we may have faith in your word. That every second of our life, Lord Jesus Christ, may be a testimony of your grace and of your love. Father God, Lord Jesus Christ, mold us, break us, create in us a new heart where you come yourself and dwell and live that life. Father God, Lord Jesus Christ, we commit ourselves, we surrender all our being to you, that you may take full control. That we may, Lord Jesus Christ, spend each second of our life with you, knowing that, Lord Jesus Christ, that you are always with us and that you will never leave us. Lord Jesus Christ, we have come, we have heard from you, and Lord Jesus Christ, we want to give you thanks. Thanks and thanks and thanks, because you deserve it. There's not a language in a dictionary that can express how thankful we are, Lord Jesus Christ, of your grace, of the mercy, of this opportunity that you have given unto us to know your word. Blessed be your holy name. Father God, Lord Jesus Christ, each of us came with a request. For those seeking for the Holy Ghost, I pray, Lord Jesus Christ, that as you are here in our midst, that you may touch their heart, that you may, Lord Jesus Christ, fill them with the Holy Ghost. For those, Lord Jesus Christ, seeking for more faith, to believe more deeper inside your word, may you, Lord Jesus Christ, grant it. Father God, Lord Jesus Christ, we bless you, we magnify your name. As Lord Jesus Christ, the service has come to an end, we pray that we may always be in your presence. Even though, Lord Jesus Christ, our physical body will be leaving this place, we believe, Lord Jesus Christ, that you are not leaving us, that you are always with us, and that you will always be with us. We let everything into your hand. Take full permanence, full control of the rest of the day. We bless you, we magnify your name. In Christ Jesus' name, amen. Amen. May the Lord bless you. Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. We are at the end of our meeting. Amen. Let's sing "This World Is Not My Home." As we dismiss, you're welcome again on Thursday evening, 7 p.m. to join us for quiet time. We're just a passing through. Our treasures are laid up somewhere beyond that blue. Sing it like you mean it. This world is not my home. Oh yes, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open doors, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open doors, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. I've fixed it up with Jesus many years ago. I know he'll see me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know if heaven's not my home, then open doors, and I can't feel
Christ over in glory land. We'll leave eternally. The saints on every hand are shouting victory. The song of sweetest praise drift back from heaven's shores. And I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beck on me from heaven's open doors, and I can't feel at home. Get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Oh, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, when we all, when we all, oh, get to heaven, what a day of rejoicing. When we all, oh, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, by and by, when the morning comes, oh, when all the saints of God are gathered home, we will tell the story. In the sweet, God bless you all. By and by.